Le but déjà, c'est de découvrir le pays et après de partager ma passion qui est le karaté avec les karatékas sénégalais qui m'ont proposé de venir leur montrer mon savoir et de pouvoir échanger et partager avec eux. Alors, l'important pour moi, c'est le travail technique de jambes puisqu'il permet de marquer 3 points en une seule fois. Donc, j'ai accentué le stage sur le travail de jambes et de balayage aussi pour marquer 3 points. Et aujourd'hui, comme le karaté est olympique, il faut absolument avoir un karaté varié et très technique pour marquer les points. Parce que les arbitres sont de plus en plus exigeants pour avoir une technique propre et sûre. Donc tout ce qui est des coups de pied, des coups de poing pas bien techniques ne seront pas valorisés. Donc je suis venue transmettre ma technique et quelques petits conseils et l'expérience surtout pour eux. Nous, en tant que coach et entraîneur, nous avons beaucoup apprécié ce que la championne du monde, championne d'Europe plusieurs fois, nous a apporté ici à Saint-Louis. Vraiment, ça, il y a beaucoup de techniques et des tas de choses. Nous ne faisions pas beaucoup de différence entre la tactique et les stratégies de combat. Donc avec elle, nous avons senti ce que c'est que les tactiques et les stratégies. Donc ce qu'on appelle ici en Wolof, Ndakh, que nos combattants ne comprennent pas, je pense que maintenant tout le monde aujourd'hui a saisi un message. Ce message-là sera diffusé et ce message sera valorisé au sein de nos dojos, au sein de la Ligue et dans tout le continent africain. Vraiment, c'est une experte. Vraiment, nous sommes très ravis de la recevoir ici. Sa technicité, sa vitesse de jambes et ce qu'elle est en train de démontrer ici. Nous sommes entraîneurs deuxième degré, quatrième dan. Donc, nous avons fait des études aussi sur ça. Mais vraiment, c'est une vraie experte, quoi. Vraiment, nous sommes très contents, très ravis, vraiment, quoi. Ce que nous faisons déjà donne de bons résultats. Puisque Saint-Louis compte des champions de Sénégal, des champions du Sénégal, des champions d'Afrique. Mais nous voulons aller plus loin. Et quand nous avons appris que nous allons être l'hôte, le Sénégal va être l'hôte d'une championne du monde, pas n'importe laquelle. Elle n'est pas devenue championne du monde par hasard. Elle a été 2 fois championne du monde. Et elle a été finaliste des championnats du monde de karaté 10 ans d'affilée. Donc ce n'est pas n'importe quelle championne du monde. Nous nous sommes dit, elle a des choses à nous apprendre. Et nous avons donc utilisé nos relations avec la fédération, nos bonnes relations avec la fédération, pour que elle séjourne à Saint-Louis. Évidemment, nous en avons profité aussi pour chanter un peu les qualités de Saint-Louis, pour l'attirer elle-même, pour qu'elle ait envie de venir dans notre belle région. Alors elle est là aujourd'hui et nous avons mis sur le tapis les formateurs et les combattants. Cela peut vous surprendre, mais ce n'est pas surprenant. Parce que nous savons que les messages qui vont être délivrés par la championne du monde ne seront pas perçus de la même façon. Les combattants et les formateurs vont percevoir les messages différemment. C'est pourquoi on les a mis ensemble, on n'a pas besoin de les séparer. Ça sera le même message, mais le résultat ne sera pas le même. Et nous aurons pour chacun ce que nous recherchons. Les combattants auront ce que nous voulons qu'ils aient, et les formateurs aussi auront ce que nous souhaitons qu'ils aient. Voilà. Saint-Louis a damé le pion à Dakar. Je pense qu'il y a une participation record. Vous avez vu, Richard Toll est là, Louga est là, Kebemer est là, Géoul est là, en somme, presque Richard Toll, lui, j'ai dit Dakar à tout le monde, donc je pense que toutes les régions du Nord sont là. C'est un engouement et je pense que c'est bénéfique pour les ligues de Louga et de Saint-Louis. Donc je pense que tous les champions sont déjà là. Et moi je pense que Nathalie n'est plus à présenter sur le plan mondial. Nathalie a été 3 fois championne d'Europe, elle a été 2 fois championne du monde, elle a été 11 fois championne de France. Et je pense que c'est une opportunité à bénéficier, on a bénéficié de son voyage au Sénégal pour nous gratifier de stage. Et je pense que si vous, à Dakar, il y avait l'engouement et vous voyez à Saint-Louis, il y avait tout le monde. Nathalie également, si vous avez vu, c'est la technique pure. Hein, c'est d'abord une dame et vous avez vu, on parle de le roi, c'est pas la reine, le roi, ça veut tout dire.